Yo, bonjour à vous, c'est Kencho de FMS Team et on va repartir sur les aventures de Sam Fisher. Donc voilà. Changement. Donc voilà. Bon, pour info, j'ai commencé à faire les missions uniquement en coop, mais vu que je pouvais pas vraiment enregistrer tout. Enfin, du moins j'avais un problème de son. Donc j'ai un petit peu abandonné cette idée, donc je les ai fait un peu en solo. Donc Salut Sam. c'est Mister là. J'ai oublié son nom. Bref, parce que je suis sur plusieurs jeux en même temps. Compris, je vais faire ça. Donc en gros, en fait, il y a moins de 3 missions, je parie, comme Grim. Mais je ferai, disons, on va dire en solo quoi. Enfin, sans filmer. En gros, j'ai réussi la première mission et j'y mince deux autres, je pense. Donc voilà. Ce que je peux faire en On a besoin solo. d'assurer un suivi dans le On centre va pas. hospitalier. Ça, c'est pour aller Sam, à la ferme. n'hésite pas à me demander si tu veux améliorer l'avion. Ouais, je voudrais juste accélérer. Ok. Oui, il faut appeler la finigue. On va faire ça quand même. On a des amis ici. Salut. Je voulais savoir comment tu allais. Je sais pas. J'ai peur. Le compteur de la Black, il se tourne. Ça rend les gens dingues. Tout le monde va se planquer à la cage. C'est pas le pire endroit en ce moment. On va déclarer la guerre à l'Iran. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Ça dépend surtout de la présidente. Et si elle lit assez vite les rapports de Grimm? Est-ce que vous... Non, je vais pas demander. Bien. Oh, avant que j'oublie, l'oncle Vic te salue. Il est réveillé? Tu lui as parlé? Pendant 5 minutes avant qu'il le rendorme à nouveau. Il souffre beaucoup. Mais il m'a dit de te dire qu'il va sortir et que tu lui dois une bière. Ça lui ressemble bien. Yves les bières. Tant qu'il aille mieux. Bon, chéri. J'ai une faveur à te demander. Ne sors pas demain. D'accord. Parfait. Papa, je voudrais t'expliquer, mais je peux pas. Fais-le pour moi, ma puce. Ok. C'est parti. Et pour les civils? Tout est en place. Donc, allons voir le jeune intello. Salut. Donc, voilà. Charlie. Salut, Sam. J'ai enfin fini d'analyser les données que t'as récupérées à Téhéran. Quelque chose sur la blacklist? La Al-Quds avait l'ordre d'éliminer Sadiq. Je crois que ton pote le général ne mentait pas. Dans la série des mauvaises nouvelles, notre mouchard sur le téléphone de Nouri s'est mis à dérailler. On le retrouvera. Bon, alors, on n'a plus qu'à gérer la nouvelle la plus pourrie, celle qui nous promet un merdier sans nom. Ok. L'arme chimique qu'on suivait depuis Londres, elle est aux États-Unis. What? Ça, c'est une bonne chose. Notre plan fonctionne. Waouh. C'est quoi une mauvaise nouvelle pour toi, alors? Donc voilà, on peut personnaliser l'équipe. Bon, mais je crois que j'ai pas encore fait. Bref, on va plutôt se concentrer sur les missions solo de Charlie. Tu fais quoi à part taper sur les nerfs de Grimm? Chercher tout ce qui pourrait déranger nos amis. J'ai des informateurs qui se rencardent. Ils trouvent des trucs que l'IMS ne trouve pas? Je sais pas, mais on le saura vite. Un de mes copains est un expat pakistanais qui vit au Yémen. Il m'a déposé quelque chose à l'ambassade. Déposé? Il fait pas confiance à l'informatique? Pas pour ce genre d'infos. Aux dernières nouvelles, on le surveillait de près. Tu fais assez confiance à ce type pour m'envoyer là-bas? Ouais, c'est bon. Alors allons-y. Ok. Pas de réaction. Bon ben, démarrons la mission en solo. Bon, voyons voir. Bon, je vais mettre en fufu comme ça, ça va pas mal. T'as vu beaucoup de... Moi, ouais, je pourrais acheter, mais...
Allez, on va les acheter ça. Hop là. Oh, c'est juste pour le côté esthétique, hein. Comme c'est une ambassade, je me suis dit, pourquoi pas. Alors regardons ça, ça, c'est bon. Ah, je peux voir un autre truc. Minus. Ok. Allez, c'est parti. Ambassade pakistanaise au Yémen. Ça va être hard. Je paquerai Grimm. D'où venaient tous ces ennemis? Oh. Les ingénieurs envahissent l'ambassade, sûrement pour chercher ce que tu viens de récupérer. Tu veux me sortir de là? Pas tant que les combats continuent. Tu dois tenir jusqu'à ce que ça se okay, calme. Ok, là oui, un à mon petit avis, portable. Les barricades sont la meilleure position défensive. Bien compris. Pour monter pas là, vas-y. Contact ennemi dans 5 secondes. Piratons ce truc. Grimm, j'ai piraté son portable. Vous avez l'accès. Je préviens Charlie. Ok, ça m'a l'air d'être clair. Oh, j'ai vu un mec là-bas. Non. Ok, j'ai un mec là. Allez tous me fouiller ce secteur, maintenant! Touche ma houle! Je nous suivre! Je vois. Merde. Bon, comme vous avez vu, c'est des. Je crois que c'est un truc de survie. Ça. En gros, plus je survie, plus je gagne. On ne sait pas où il est, alors attention! Ok, bon, 10 ennemis restants. C'est pas très. Ok, c'est temps de se barrer, je crois. Non, je suis pas là, je suis plus là-bas et il tire comme des tags. Ah,
chose dans ton coin. David. Dernier lardon. Ah, là-bas. Et... Et hop, 15 ennemis. Ok, on est tous deux là-bas. Oups, un toutou. Ouah, des toutous. Mon pire ennemi dans le jeu. Il a rangé le chien. Ils sont énervés ces toutous. Je suppose que c'était rien. Il y a un toutou qui s'est fait tuer à même pas 2 mètres de lui. Mais bon, c'est pas grave. Fouillez-moi cette zone. Allez. Zone sécurisée. Il est où le mec? Restez sur vos gardes. Il est dans le coin quelque part. Il est toujours là. Continuez à chercher. Pas de danger ici. Pas de danger, mon cul. L'autre, il regarde de l'autre côté. Donc toi, tu fais le dos. Pas au bon endroit. Que tout le monde fouille la zone, on a un intrus. Que tout le monde se déploie et fouille la zone. Là, ça y est. Oh!
Adieu. Par là, t'es mort. Viens là et aide-moi à fouiller. J'arrive. Le tireur doit être par là. Passez tous en arrière. On a un intrus. Chien et trois hommes. Thank you.
me fouiller ce secteur. Maintenant. Toi, je te marque. Ouais, et ton pied cauchemar. T'as jamais repris à droite à gauche toi. Non mais. Merde. What? Tu viens, ton homme mort. Allez, viens, Fiat. Merde. Il est blindé ou quoi? Voilà, du moins ces deux soirs en... Bon ben, dernière victime. Vaille 5. Et j'ai un capturé en plus. Il faut l'interroger. On a l'intrus. Trouvez-le. Bon, cette fois-ci, on va faire la tactique. Électrifions tout le monde. Déployez-vous.
Alors. Je regarde derrière moi, si jamais. Putain, je veux qu'elle tire en premier. De pas parler, c'est je me concentre pour faire trop d'erreurs. C'est quand il tirera ou je sais pas quoi. Je crois que j'ai quelque chose. Bouge pas. Ouais. Reste concentré, continue à chercher. Ah, c'est des mines adhésives, merde. Trompé. Il choque. Voilà. Adios. Plus que deux. Et ceci suivre la colonne de... Et voilà. Bon, comme je suis un gros joueur, c'est la deuxième vague. Je vais continuer pour jusqu'à la 20e vague. Ok, comptez sur moi. J'aurais pas d'honneur si je finis pas la mission.
Ok. Ouais, pour ça, tiens. C'est trop chaud pour l'hélico. L'ennemi vous tombe dessus dans 5 secondes. On va faire la mode. La mode, j'en ai rien à foutre. Elle veut pas me laisser ça. On sera pas trop de deux pour chercher. Ok. Y'a rien. Comme un pied. Ah! Je tire comme un pied. Putain. Mort de rire. Mais rien du tout. Ah, qu'est-ce que c'est? On va les tranquiller les gens. Il est KO. Il est KO. Électrification, on me dit. Électrification. Tiens, électrification gratuite là-bas. C'est un bouche-trou de la boue, bien sûr. Et comme il y va aller. Même pas. What? Chercher. Un peu con, lui. Allez,
Je veux bien de l'aide pour cette fouille. Se déploie et fouille la zone. Ça roule. En fait, je reprends le snipe. Ou là, un P5. Tout va bien de ton côté ? Rien. En plus, elle est silencieuse, donc ça va. Enfoiré.